C'est donc un devoir impérieux d'élaborer en temps de paix des conventions protégeant les victimes de la guerre. Reconnaître ce devoir ne signifie pas que nous ne souhaitions pas ardemment que la guerre puisse être définitivement éliminée du destin de tous les peuples. 1945. La Deuxième Guerre mondiale s'achève avec plus de 50 millions de morts, dont une majorité de civils. Alors que se créent les Nations Unies et que s'entrevoit déjà la guerre froide, le Comité international de la Croix-Rouge mesure l'impérieuse nécessité de faire reconnaître aux États une protection particulière pour les civils. Réviser le droit de la guerre existant et créer une nouvelle convention de Genève pour protéger les civils, tels sont les impératifs du CICR. Mais l'institution vit des moments difficiles, tant au niveau financier que diplomatique. Une situation aggravée par les relations tendues avec l'un des grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique. Malgré cette position délicate, le CICR parviendra à conduire des négociations à marche forcée qui aboutiront en 1949 à la signature de 4 conventions de Genève. Tout l'art, entre guillemets, du CICR pour rétablir sa situation va être de conduire ses travaux au pas de charge de façon à confirmer son rôle par rapport au développement du droit international humanitaire, mais aussi ancrer sa propre position dans les nouvelles conventions. La cheville ouvrière, à ma connaissance, c'est très clairement Jean Pictet, c'est lui qui sera le maître d'œuvre, voilà, des processus de consultation qui déboucheront sur la révision des conventions de Genève, avec bien sûr une équipe autour de lui. Et parmi les noms les plus marquants, je signalerai Claude Pictet, qui lui succédera comme directeur du droit international, et René-Jean Wilhelm. Il s'agissait, et c'est l'initiative de M. Pictet, de reprendre, de réviser les conventions, notamment la convention sur les prisonniers de guerre de 1929, et surtout d'établir une convention pour la protection des populations civiles. Et, n'est-ce pas, n'oublions pas que déjà en 1929, au moment où l'on a établi la convention sur les prisonniers de guerre, le CICR avait également proposé une convention pour la protection des civils. Mais l'état d'esprit n'était pas favorable à ce moment-là. C'était la période du traité Briand-Kellogg. Il n'y avait pas encore les harangues de Hitler. Et si bien qu'on considérait que, dans le fond, la population civile à l'arrière n'était pas menacée. Mais naturellement, après la Seconde Guerre mondiale, ce besoin d'une convention sur la protection des populations civiles a été très très grand, a été très éprouvé par tous ces pays européens et autres qui avaient subi l'occupation. Si bien que quand il a proposé aux Croix-Rouges et ensuite à certains gouvernements d'avancer dans cette élaboration d'une convention pour la protection des populations civiles et des civils, et il a reçu un accueil tout à fait favorable. Deuxième objectif, c'est les conflits armés non internationaux. Parce que là aussi, on a vu tout au long de la guerre d'Espagne l'extrême difficulté de conduire une action. Il y a l'expérience de la guerre d'Espagne, puis l'expérience beaucoup plus récente de la guerre civile en Grèce, qui éclate à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On aurait pu parler aussi de la Yougoslavie, d'ailleurs, à ce propos. Mais il y a aussi une très forte préoccupation de savoir comment faire en sorte que l'Union soviétique participe au processus de négociation, parce qu'on avait bien vu le prix payé par le fait que l'Union soviétique n'avait pas participé à la conférence de 1929 et le refus d'accéder à la Convention de 1929 protégeant les prisonniers de guerre. Donc, des invitations seront adressées lors des conférences d'experts à l'Union soviétique qui refuse de s'associer au processus. Donc il y a une grande anxiété au moment où la Suisse convoque la conférence diplomatique, et pour la Suisse, la participation soviétique est probablement, mais je n'ai pas étudié les archives suisses, mais probablement la priorité numéro 1. Pourquoi? Un, parce que la Suisse doit rétablir ses propres relations avec l'Union soviétique, qui ont été détestables pendant l'entre-deux-guerres et pendant la guerre mondiale. Et puis la Suisse est convaincue qu'un traité auquel l'Union soviétique ne participerait pas, en cas de guerre mondiale, sera un traité inopérant. Donc la Suisse est prête à faire le choix que si elle doit choisir entre la représentation soviétique et la participation du CICR en tant qu'expert à la conférence diplomatique, elle privilégiera la participation soviétique. Donc le CICR va se trouver dans la situation, dans la dernière ligne droite, d'avoir fait tout le travail de préparation en vue d'une... et rédiger les projets qui serviront de base aux délibérations, sans aucune certitude qu'il pourra prendre part à la conférence en qualité d'expert pour expliquer, défendre ses projets. D'après le témoignage de gens qui ont participé à cette négociation, ce qui n'est évidemment pas mon cas, la chose s'est résolue lors du cocktail, la veille de la cérémonie d'ouverture, et c'est à ce moment-là que les Soviétiques sont sortis de leur silence et ont dit aux Suisses « Nous participerons, nous serons là demain, même si le CICR est dans la salle ». La conférence diplomatique se tient à Genève du 21 avril au 12 août 1949 et réunit les représentants de 64 pays, soit presque tous les États du monde. Le CICR y défend ses textes. Après 4 mois de négociations, l'acte final de la conférence est signé le 12 août 1949. Le résultat est inespéré. 4 conventions protègent désormais les gens dans la guerre. Elles restent encore aujourd'hui le socle du droit international humanitaire. Le premier objectif du CICR, c'était une convention civile. Il y a une convention sur les civils, c'est la 4e. Les conventions de 1929 ont été révisées l'une et l'autre, la convention sur les blessés et la convention sur les prisonniers de guerre, et la convention 10 de La Haye de 1907 sur les navires hôpitaux. Donc on a un édifice de 4 conventions. 3 sont la révision, mais avec des développements considérables par rapport à des textes antérieurs, et la 4e est complètement nouvelle. Le deuxième objectif, c'était d'avoir un texte protégeant les victimes des conflits armés non internationaux. On a un article commun sur les conflits armés non internationaux qui sera la base de largement la moitié des activités du CICR depuis 1949. Alors, l'article 3, c'était dans le fond l'idée, pendant la conférence d'experts, c'était l'idée du CICR que cette réglementation puisse s'appliquer en cas de guerre civile. Alors, au moment de la conférence de 1949, il y a une commission spéciale qui s'est occupée de ça et se disait, mais quelle intensité faut-il prévoir de guerre civile pour qu'on puisse prévoir des règles qui s'appliquent? Ça ne peut pas être des troupes intérieures, mais quelle intensité doit avoir cette guerre civile pour qu'on puisse appliquer certaines règles? Et là, ils avaient beaucoup de peine à s'entendre, quand tout d'un coup est venue la proposition française, c'était le ministre Lamargue, c'était le juriste Cahen-Salvador, qui ont dit: il n'y a plus besoin de fixer l'intensité, il suffit de prévoir que certaines règles sont appliquées en cas de conflit non international. Le texte, c'est celui-ci: en cas de conflit non international surgissant sur le territoire d'une autre partie contractante, chaque partie au conflit devra appliquer un minimum de règles C'était en somme les droits de l'homme, le minimum des droits de l'homme pour ceux qui sont mis hors de combat. Cet article comportait aussi deux éléments extrêmement importants qui vont très au-delà de cela. D'une part, en prévoyant l'intervention d'un organisme humanitaire impartial tel que le Comité international, donc ça donnait une légitimité au CICR pour agir dans toutes ces situations. Et puis d'autre part, l'article dit bien « Les parties au conflit s'efforceront d'autre part de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente convention ». Donc en vérité, l'article 3, ça fixe un cadre minimum ou un ensemble de règles minimales qui doivent être appliquées dans tous les conflits armés non internationaux. Mais on peut construire sur cette base, soit à travers des accords ad hoc, comme je pense à ceux qui ont été conclus au début du conflit yougoslave, et qui ont véritablement été reconnus comme la règle par les belligérants dans ces conflits, soit à travers une pratique conséquente, cohérente, des échanges de messages qui permettent de fixer des règles plus élaborées. Je préciserai que, également dans de nombreux cas de conflits armés non internationaux, le CICR s'est en fait référé aux dispositions de l'ensemble des conventions sans que ça ait été contesté. Le Comité international de la Croix-Rouge, je dirais, dès 1949, dès l'adoption des 4 conventions, même si on a ouvert des bouteilles de champagne, certainement, parce que c'était un succès inespéré au moment où le CICR aborde la conférence de 1949, il ne pouvait pas rêver d'avoir des textes aussi complets et que les États acceptent des engagements aussi précis que ceux qui sont consignés dans les conventions de 1949. En vérité, il fallait le traumatisme effroyable de la Deuxième Guerre mondiale pour amener les États à se dire « jamais plus », pour adopter des règles qui, malgré tout, leur liaient les mains par rapport à l'avenir. Dans le même temps, le CICR est très lucide sur le fait que la protection des populations civiles contre les effets des hostilités n'a pas été restaurée, sur le fait que le principe général de l'immunité des populations civiles contre les effets des hostilités a été très gravement piétiné pendant la Deuxième Guerre mondiale et que l'autorité de ce principe n'a pas été rétablie ni par le tribunal de Nuremberg ni par les conventions de 1949. Je parlerai de ce que j'ai appelé le silence de Nuremberg, c'est-à-dire que à Nuremberg, il n'y a aucune condamnation pour des bombardements indiscriminés. Et pourtant, les Allemands en ont fait, Coventry et les bombes volantes et d'autres. Mais on devait arriver à ce que le bombardement, l'attaque, disons, délibérée des populations civiles soit absolument prohibée. Le silence de Nuremberg. Alors notre lutte, ça a été de faire interrompre ce silence. Et vous y êtes parvenu. Et on y est parvenu. On y est parvenu, oui.